Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlons Franchement. Avec pour invité aujourd'hui, Monsieur Albert Toakes Mabri. Je voudrais préciser d'entrée de jeu qu'aujourd'hui, c'est à la fois le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement que je reçois. En effet, le parti fondé par le général Robert Guéï a tenu les 18, 19 et 20 décembre 2013 son deuxième congrès ordinaire à Yamoussoukro, congrès qui a vu la réélection de M. Albert Toakes Mabri pour un mandat de 5 ans. M. Mabri, bonsoir. Bonsoir. Bien sûr, nous allons revenir longuement sur ce congrès, mais nous parlerons aussi de la présidentielle de 2015 qui se profile à l'horizon. Quels sont les enjeux pour notre pays? Nous en parlerons. Beaucoup de politique donc, et aussi de développement, de planification de développement. Mais d'abord, une question d'actualité, vous l'avez deviné, ça concerne la santé du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a subi une opération chirurgicale en France. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Vous avez des nouvelles? Merci. Nous parlons franchement, comme vous le souhaitez. Je voudrais dire que le président de la République, Dieu merci, se porte bien. Je voudrais remercier les Ivoiriens qui accompagnent donc le président par leur prière. Aux dernières nouvelles, le président se porte bien, en tout cas après l'intervention chirurgicale, et nous attendons qu'après un temps de repos, il regagne la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes médecin de formation, il faut le rappeler. Le président a été opéré d'une sciatique, a dit le communiqué de la présidente de la République. Qu'est-ce qu'une sciatique et qu'est-ce qu'elle peut provoquer si elle n'est pas bien soignée? Alors, le nerf sciatique est un nerf important du corps humain qui alimente les membres inférieurs et qui devient donc pathologique lorsqu'il y a une compression du nerf. Ça se passe lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la colonne, notamment donc les pincements, l'hernie discale peut conduire donc à une compression du nerf sciatique. Aujourd'hui, généralement, les médecins recommandent de laisser la hernie se résorber seule, mais quand ça atteint un niveau où donc la douleur fait que ça entraîne l'immobilisation, donc la personne qui souffre de la sciatique, comme on le dit communément, en ce moment-là, il y a une intervention chirurgicale pour essayer donc de libérer le nerf. Et je pense qu'au vu du communiqué que nous avons entendu, c'est de cette intervention chirurgicale que le président a bénéficié. Et ça s'est très bien passé. Donc le président a besoin d'un temps de récupération pour pouvoir regagner la Côte d'Ivoire. C'est une intervention généralement bénigne que beaucoup de chirurgiens font aujourd'hui sans difficulté. Communiquer sur la santé d'un chef d'État, ce n'est pas chose courante en Afrique. Dans notre pays, on peut dire que c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi briser ce tabou? Ben, c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire et c'est ça aussi la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il faut informer. Le président a fait par exemple la déclaration de son patrimoine sans qu'on ne lui demande. Lorsque certaines personnes au niveau de la presse évoquaient cette question, ça avait déjà été fait. Là aussi, il donne l'exemple de dire que la santé du chef de l'État, en tout cas, doit être sûre de ses concitoyens. Il doit pouvoir assurer, il doit montrer qu'il est apte à diriger la Côte d'Ivoire. Il l'a fait pour la transparence, pour la bonne gouvernance et pour la Côte d'Ivoire de demain. Alors, le gouvernement est en contact avec lui. Vous attendez son retour pour combien de temps, dans combien de temps? Ben, le gouvernement a contacté lui, notamment le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur qui a effectué le déplacement sur Paris, le ministre des Affaires étrangères qui, à son retour du Brésil, s'est arrêté à Paris. Donc, vous voyez, il a eu beaucoup de visites et c'est quotidiennement qu'il y a des échanges avec lui. J'étais avec le Premier ministre hier nuit qui venait de lui faire le point de la journée. Nous pensons que c'est une question de jour. Bien, venons-en maintenant à la vie au sein de votre parti, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, qui a tenu son deuxième congrès ordinaire à la mi-décembre, Monsieur le Président, un mois et demi après ces assises. Quels enseignements tirez-vous? Ben, l'UDPCI a eu donc un grand congrès qui a eu la particularité d'être un congrès conjoint, congrès du parti même, le congrès des jeunes, le congrès des femmes.
dont 3 congrès en un. C'était un défi majeur, nous l'avons relevé dans le sérieux, dans la tranquillité. Le congrès a mobilisé plus de 9000 militants venus de la Côte d'Ivoire et de l'extérieur. Nous avons eu de nombreux invités. Nous avons traité des questions essentielles qui ont repositionné le parti, qui ont relancé nos activités, qui ont renouvelé nos instances, et aujourd'hui nous sommes en train d'achever donc la nomination des nouveaux responsables au niveau du parti. Donc c'est un parti revigoré, en rang de bataille, qui a fait des choix et des options majeures, qui les assume, mais qui fera en sorte que l'avenir lui appartienne. C'est ce parti-là que, heureusement, je dirige, et je voudrais vraiment à nouveau saisir votre tribune pour remercier les militants qui m'ont renouvelé leur confiance. Très bien. On va parler donc des options et des choix des hommes, mais je voudrais revenir sur le thème de ce congrès, c'est construire une UDPCI forte pour bâtir la nation. C'est ça. Quels sont vos chantiers? Alors, construire une UDPCI forte pour bâtir la nation, parce que nous-mêmes, notre projet de société, c'est bâtir la nation, donc bâtir une Côte d'Ivoire de citoyens solidaires, de citoyens soudés les uns aux autres, disciplinés, travailleurs, qui se disent on appartient à une nation, c'est-à-dire à une communauté de personnes qui savent que leur destin est lié. Donc c'est cette nation que nous voulons bâtir. Je rappelle chaque fois que le président Houphouët nous disait que lui, il avait donc a eu l'indépendance pour la Côte d'Ivoire, il était en train de construire un État, mais que le chemin pour arriver à la nation ivoirienne était encore long. Nous sommes toujours à rechercher cette nation forte, et l'UDPCI voulait donc y contribuer. Cela signifie que nous ayons donc des dirigeants consciencieux, travailleurs. Ça demande aussi une organisation au niveau de la base, donc des structures avec des responsabilités renouvelées. Nous avons proposé une nouvelle organisation justement qui prenne en compte l'animation régionale avec les secrétaires régionaux. Nous allons revoir nos coordinations, nos sections. Les organisations de jeunes et de femmes seront sur le même modèle. Et puis, bon, évidemment, nous allons améliorer les conditions de travail avec la construction d'un siège, l'équipement de nos militants, notamment les responsables. Au niveau des organes spécialisés et décentralisés, il y a de nombreux chantiers donc devant nous. Mais il y a aussi le chantier, et c'est le plus important pour un parti politique, de faire en sorte que sur l'échiquier national, nous affirmons que nous ayons davantage d'élus et que nous nous préparions donc à gouverner ce pays. C'est notre objectif final, et cet objectif demande qu'il y ait une démarche et de la mobilisation. Alors, vous avez parlé des élus. L'UDPCI, c'est aujourd'hui 9 députés, 5 maires, un président de conseil régional. C'est peu pour peser sur la construction de la vie nationale. Oui, c'est peu, mais c'est plus que d'autres partis qui sont nés avant nous. Évidemment, nous ne sommes pas fiers de ces résultats. Nous voulons faire davantage. Nous sommes mis dans un contexte, je voudrais dire qu'au-delà de ces postes, nous sommes dans plusieurs conseils au niveau des collectivités locales où nous sommes vice-présidents, adjoints au maire. Nous sommes également implantés sur l'ensemble du territoire national. C'est un travail qui demande la patience, qui demande la persévérance, qui demande beaucoup de sacrifices. C'est ce travail-là que nous faisons dans toute l'ambiance que vous connaissez, avec une démocratie qui a souffert évidemment du mode de fonctionnement de plusieurs acteurs politiques. L'UDPCI en a souffert depuis la disparition du général Robert Guéï. D'autres partis sont passés par là également. Nous devons faire en sorte de poursuivre le travail. Ce n'est pas le travail que nous allons nous réaliser. Alors, vous étiez le candidat unique à la présidence du parti. Vous avez été réélu sans coup férir. On vous reproche d'avoir imposé votre filleule à la présidence des femmes. La démocratie existe-t-elle vraiment au sein de l'UDPCI? Très évidemment, parce qu'il se trouve que ce sont les militants de l'UDPCI qui m'ont renouvelé leur confiance au vu du parcours que nous avons eu ensemble sur 10 ans. Ce sont ces mêmes militants de l'UDPCI qui se sont réunis, qui pour les jeunes ont choisi Adiko Franck et qui pour les femmes ont choisi Koulibaly Farah. Nous avons
travaillé sur plusieurs mois à la cohésion au sein du parti. Nous avons demandé de faire le consensus où c'était possible et partout où ce n'était pas possible, nous avons laissé la démocratie s'exprimer. Donc nous avons bien la démocratie au niveau du parti. Évidemment, il y a toujours les humeurs, l'état d'âme à l'issue des élections. Ça arrive à tous les niveaux, même au plus haut niveau. Donc je comprends tout à fait qu'il ait ces propos qui soient tenus ça et là dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais dire que c'est la démocratie qui s'est exprimée. Maintenant, nous travaillons à la cohésion, au rassemblement, et je voudrais vous dire que les choses se passent très bien. Et qu'est-ce qui explique aussi le choix du remplacement d'Albert Flindé par Laurent Thiama au poste de secrétaire général, alors que les militants que nous avons rencontrés estiment que à ce poste, Albert Flindé avait fait du bon travail? Oui, justement, ils ont raison. Nous n'avons pas déplacé Flindé parce qu'il a fait du mauvais travail. Nous avons déplacé Flindé parce que nous avons des principes de fonctionnement. Nous sommes un parti national. Toutes les régions, toutes les communautés, toutes les sensibilités sont concernées par l'UDPCI depuis le général Robert Guéhi. Nous avons donc un type d'organisation que je n'ai fait que respecter. Ceci dit, Flindé a eu une promotion puisqu'il est passé vice-président du parti en charge donc de la stratégie. C'est un poste stratégique justement et je crois qu'à ce niveau, il apportera encore sa contribution au développement du parti. Donc il fallait d'autres cadres, d'autres régions pour aider le parti. Oui, entre autres. Très bien. Oublier que Thiagba était donc mon premier collaborateur lorsque j'étais secrétaire général adjoint sous Robert Guéhi. Le constat, Monsieur le Président, c'est aujourd'hui la difficulté pour votre parti de s'imposer dans d'autres régions, mais aussi à l'ouest même où c'est censé être votre bastion. Vous avez perdu les communes de Mans et de Danané. Oui, c'est exact. C'est le combat politique. Il y a des moments où on n'est pas compris. Je voudrais dire que dans le cas de Danané, nous avions au sein de notre parti, pour les 7 candidats qu'il y avait pour la commune, il y en avait 6 qui venaient de l'UDPCI. Donc évidemment, ils se sont partagés les voix. Sur la commune de Mans, il y a une réalité sociologique qui indique la force d'un parti sur le terrain. Ça aussi, nous avons dû la prendre à notre dépens. Nous travaillons donc à améliorer notre présence au niveau de ces deux communes, mais au niveau du reste de la Côte d'Ivoire, où je voudrais vous dire que dans les années à venir, l'UDPCI fera parler d'elle. Alors, l'UDPCI a toujours fait aussi de la vérité sur la mort de son fondateur, le général Robert Guéhi, une priorité 12 ans après. Est-ce que vous en savez un peu plus aujourd'hui? Pas au-delà de ce que nous avons appris à travers la presse. Je voulais dire que 2013 a enregistré quand même une évolution sur le dossier avec les aveux de certains militaires, avec leur traduction devant le tribunal militaire. Nous attendons que les procès démarrent et nous espérons qu'à l'occasion, toute la lumière sera faite sur l'assassinat de Robert Guéhi. Alors, Monsieur le Président, votre congrès intervient à un peu plus d'un an et demi donc de l'élection présidentielle et votre parti à ce congrès s'est déclaré ouvertement pour un soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Oui, c'est exact. C'est une option de l'UDPCI, c'est un choix. Nous avons eu donc à mettre en place un comité de stratégie qui a travaillé avant le congrès, qui a réfléchi à la question. Nous avons saisir le bureau politique sur ce dossier. Et puis, le bureau politique a donc fait un rapport au Congrès qui a pris la décision d'accompagner le président de la République pour son deuxième mandat. Au vu du contexte, au vu de ses résultats, pour la Côte d'Ivoire, pour la stabilité, pour la paix que nous souhaitons tous, c'est une décision importante de l'UDPCI. Et en ce qui concerne le RHDP, j'ai eu à dire, et ça aussi, c'est la démocratie. J'entends là que la décision de l'UDPCI ne fait pas la promotion de la démocratie. Je m'inscris en faux contre cela, parce que la démocratie aussi, c'est de dire que lorsqu'on crée des partis, lorsqu'on a des candidatures, ceux qui ont les mêmes visions, les mêmes programmes, qui alimentent leur projet pour la Côte d'Ivoire des mêmes éléments,
doit pouvoir parler de la même voix. Parce que la différence doit se faire au niveau des projets. La question des hommes accompagne après. Donc, nous disions que si nous avons pu réaliser ce qui a été réalisé au niveau du RHDP, c'est par notre rassemblement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de redonner vie à la Côte d'Ivoire avec tout le bilan que je peux faire avec beaucoup d'éloquence, mais dont je fais l'économie ici, les grands projets d'infrastructure, le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, évidemment l'afflux des investisseurs, etc. Alors ça, il faut pouvoir le consolider. Et c'est pas en 5 ans, surtout en 4 ans qu'on réussit à faire cela. Vous savez que pour que l'investisseur soit rassuré, il doit avoir des perspectives. Alors, les perspectives, ce n'est pas 2 ans que ça donne. Nous avons fait le groupe consultatif en décembre 2012. Nous venons de faire investir en Côte d'Ivoire en 2014. Les investisseurs arrivent. Il faut leur dire que le pays a retrouvé la paix, la stabilité et la bonne gouvernance. À partir de là, ils peuvent donc faire l'option de venir investir massivement. Tout cela est au vu donc des résultats, a conduit l'UDPCI à prendre cette décision d'accompagner le président de la République, et c'est une décision dont je me félicite encore. Vous disiez il y a quelques minutes que l'UDPCI se prépare elle-même à gouverner ce pays. Ah, ça, oui. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas encore prêt pour 2015, le président de l'UDPCI que vous êtes? Non, vous savez que j'étais candidat en 2010, donc c'est pas que je ne sois pas prêt à gouverner, mais nous avons fait l'option de gouverner ensemble. Nous sommes sur des chantiers avec Alassane Ouattara, ça produit des résultats. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité, la Côte d'Ivoire a besoin d'une vision. Nous voyons un homme qui, malgré son âge, est en train de se sacrifier pour ce pays. Je suis ministre du Plan depuis l'hôtel du Golfe. Je suis sorti de nombreuses fois pendant ces 5 mois. Je sais ce qu'il a pu faire avec son téléphone simplement, et c'est ce qu'il est capable aujourd'hui de faire pour la Côte d'Ivoire. Cet homme, parce que quand je suis candidat, ce n'est pas pour Mabri ou pour l'UDPC, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est ce pays que nous voulons servir. Si nous sommes sur une pente positive, eh bien il faut faire en sorte que cela se concrétise pour les Ivoiriens. Nous parlons de croissance aujourd'hui, je vous ai dit que nous voulons cette croissance de plus en plus inclusive avec une incidence qui se ressent au niveau des ménages. Donc, il y a des chantiers en cours que nous devons soutenir. Et puis, le bilan qu'on fera en 2015, ce sera notre bilan à tous. Si cet homme est encore prêt, il faut l'accompagner. Mais ça ne veut pas dire que Mabri n'est pas prêt. Mais Mabri se dit que quelque chose de bien est en cours pour la Côte d'Ivoire. Il faut le continuer. Et puis après, nous avons le temps donc de revenir après cette phase qui va être heureuse pour la Côte d'Ivoire. Nous pourrons maintenant prendre nos responsabilités et servir la Côte d'Ivoire sur une base déjà qui aura été établie. Votre allié, le PDCI, il laisse planer le suspense sur sa candidature. Le président de ce parti, Henri Konabédi, renvoie tout ce monde à la convention. Comment vous vivez cette attente? Ben, nous la vivons avec sérénité parce qu'il s'agit du PDCI, parce que le président du PDCI s'appelle Henri Konabédi, c'est-à-dire cet homme qui, entre les deux tours, a lancé un appel important, nous tous mobilisés autour de lui pour l'élection du président Alassane Ouattara, la présidente de la République. Il s'agit d'un homme également qui est considéré aujourd'hui comme le conseiller du président de la République, comme nous autres, notre père, que j'ai consulté avant le congrès de l'UDPCI, que je suis allé voir pour donc l'informer après le congrès de l'UDPCI, qui m'a rassuré, qui m'encourage, qui me soutient, dont j'ai la bénédiction. Donc nous regardons cela avec sérénité, et j'ai dit que le PDCI, le parti maire trouvera le moyen, en tout cas, de rendre le RHDP fort et faire en sorte que nous puissions continuer à travailler ensemble pour la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je n'ai pas de soucis majeurs à ce niveau. C'est une question de procédure et de mécanisme. Nous sommes en train de demander que cela se passe dans des délais qui nous permettent de continuer à travailler sereinement pour le pays. Lors de son congrès aussi, le PDCI a fait une recommandation de la création d'un poste de vice-président de la République, ce qui nécessite une révision constitutionnelle.
Quel est votre avis? Oui, je n'ai pas, d'avis particulier à donner. C'est une proposition du PDCI. Ce que j'ai dit il y a quelque temps, c'est que nous devons nous retrouver. J'ai demandé que nous puissions nous retrouver pour faire un bilan de l'action gouvernementale RHDP, des résultats auxquels nous serons tous liés, solidairement liés, que nous devons défendre. Et deuxièmement, que nous puissions voir un peu les perspectives ensemble, y compris les propositions visant la révision de la Constitution ou d'autres tests qui s'imposent à nous. Dans tous les cas, il y a un dialogue qui est en cours avec l'opposition qui lui aussi fait des propositions. Ces propositions, les partis du RHDP doivent pouvoir les prendre en compte, les analyser et donner des avis. Donc, je crois que c'est une proposition qui est recevable, que nous allons examiner en interne et puis faire des propositions. Depuis la victoire du président Ouattara à la présidentielle, tous les observateurs de la vie politique notent une certaine léthargie du RHDP qui est dénoncée par certains qui ont d'ailleurs du mal à se faire entendre. Qu'est-ce qui explique cette situation? Parce que certains points auraient pu être abordé à l'intérieur du RHDP. Tout à fait. Ceux qui ont dénoncé la léthargie n'ont pas tort. Les choses se sont arrêtées. Je crois que la tâche, la lourdeur et le volume de la tâche au niveau de l'État nous a tous absorbés au point où le fonctionnement de notre rassemblement ne s'est pas fait correctement. Il faut le reconnaître et nous avons justement échangé avec les responsables du RHDP en privé. Nous ferons en sorte que dans les semaines à venir, nous nous retrouvons pour relancer la machine. C'est d'ailleurs les attentes les plus fortes et les plus pressantes de nos militants à la base. Le RHDP, parti unifié, est-il renvoyé au calendrier grec? Non, pas du tout. Toujours en débat, nous discuterons en tenant compte des intérêts les uns des autres et nous ferons en sorte que les décisions qui seront prises soient à l'avantage et conformes à la position de nos militants qui étaient d'ailleurs très heureux. Chaque fois que nous avons des bureaux politiques conjoints, nous voyons comment la salle chaude et chaleureuse nous acclamait. Alors, l'un des partis alliés du RHDP, le MFA, Mouvement des Forces de l'Avenir, traverse actuellement une grave crise avec deux présidents, en tout cas, qui se battent dans les journaux, parfois aussi au siège. Je parlais d'Innocent Anaki et Mbala Yao. C'est une situation, j'imagine, qui ne vous laisse pas insensible. Non, pas du tout. Parti du RHDP. Pas du tout. Une situation à laquelle nous restons sensibles. Je crois que cette semaine, je vais échanger avec le président Anaki, le président du MFA. Évidemment, il peut y avoir des mécontentements dans nos partis et tout. Nous devons faire en sorte que les MFA se rassemblent à nouveau. Vous avez dit Anaki, président du MFA, ah, oui, pour lui, oui, bien pour sûr. Vous, c'est vous le président Mais du bien MFA. Sûr, oui, pour moi, bien sûr, le président du MFA, c'est Anaki Kobena. Ceci dit, je peux comprendre, je n'en connais pas les détails précis, mais je peux comprendre qu'il y a des sauts d'humeur à l'intérieur de nos partis, ça arrive à chacun de nous, mais nous devons parler aux uns aux autres pour pouvoir se rassembler, prendre en compte les points de vue des mécontents. Donc beaucoup de personnes trouvent qu'au niveau du RHDP, vous êtes un peu bavard sur la question. C'est une situation qui peut vous fragiliser. Et pourquoi la situation, vous la laissez traîner comme ça? Ben, on ne la laisse pas traîner en réalité. Il y a quelques consultations, il y a des échanges qui se font en privé. Nous n'avons pas besoin de communiquer à la presse tout cela, mais je vous promets que les choses vont s'arranger. Nous allons travailler pour que le prochain congrès du MFA soit un congrès de rassemblement de l'ensemble des militants de cette formation politique. On a aussi noté les prises de position de Anaki Kobena sur le régime, sur son bilan, 3 ans et demi après. Il est très, très critique, même si il a beaucoup apprécié le message de fin d'année du président de la République. Qu'est-ce qui explique, je ne dirais pas les sorties de route, pour quelqu'un qui est à l'intérieur du RHDP, qu'est-ce qui explique, est-ce que vous avez cherché à comprendre un peu cette prise de position qui tranche complètement avec les dirigeants du RHDP que vous êtes? Vous ne me voyez pas fondé à expliquer ce qui peut expliquer ces prises de position. La seule chose que vous avez approché pour comprendre le fondement. Bien sûr, ce que je vous ai dit, je l'ai toujours dit,
nous pouvons avoir des problèmes entre nous. Je peux avoir des problèmes, je peux avoir des choses à reprocher au PDCI, au RDR, au MFA, aux responsables de ces partis. Mon souhait et ma demande, c'est que ces questions, nous puissions les régler à la maison, que nous puissions les régler entre nous, pas sur la place publique, pas par la presse interposée. Donc nous avons enregistré tout cela. Ce que j'ai demandé, c'est que nous puissions, et l'occasion va nous être donnée bientôt, nous nous retrouvions pour faire le bilan, pour voir nos faiblesses, pour voir nos forces, pour voir comment on les corrige, comment on rectifie le tir, comment on prend un nouveau départ et comment cela s'inscrit dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est le plus important. Pour le reste, il arrivera toujours que nous faisons les critiques les uns vis-à-vis des autres. Monsieur le Président, parlons maintenant de la réconciliation nationale. Quel bilan faites-vous du travail qui a été abattu par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation? Je voudrais dire que c'est un travail difficile. Le président de la République, justement, après la réunion que nous avons eue à Addis Abeba, avait pris la décision, entre autres sur recommandation de l'Union africaine, de mettre en place une commission dialogue, vérité, réconciliation avec un modèle qui sied à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé et le Premier ministre Bani, qui connaît bien le pays, qui a dirigé tant soit peu le gouvernement de transition, a donc eu cette charge-là. Bon, évidemment, il a fait son bilan en disant que ça demande encore du temps pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons vu quelques pas qui ont été faits qui n'ont pas pu donc nous conduire à la réconciliation telle que nous le souhaitons, mais je voudrais dire que c'est un début. Mais ceci dit, le président de la République, le gouvernement et de nombreux concitoyens dans des organisations diverses sont intervenus en matière de réconciliation. Chacun de nous fait ses efforts au niveau de sa région d'origine ou à d'autres niveaux pour que les Ivoiriens se rapprochent. Aujourd'hui, il y a une détente. Cette détente, il faut l'apprécier. Beaucoup d'actes ont été posés par le gouvernement, par le chef de l'État lui-même, pour nous conduire donc à l'apaisement, à la réconciliation. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que chacun de nous comprenne que la réconciliation est un chantier commun et qu'on doit chacune et chacun apporter notre contribution en nous disant que c'est le meilleur des investissements pour la Côte d'Ivoire, pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Donc il faut, aucun sacrifice ne sera moindre ici. Il faut continuer d'agir, il faut continuer de considérer la réconciliation comme pratiquement un préalable à tout, même si le système judiciaire doit continuer donc à fonctionner avec tous les dossiers maintenant qui sont en train d'être examinés. Je voudrais dire que nous sommes sur le chemin de la réconciliation. Nous devons poursuivre les efforts qui ont été faits tant au niveau de la CDVRK, à d'autres niveaux, par tous les instruments pertinents qui peuvent nous conduire donc à une cohésion nationale. Alors, plusieurs pro-Babo ont été libérés, vous l'avez mentionné, ça va dans le bon sens, tout à fait. Ça doit continuer. Tout à fait, c'est ce que nous pensons, sans que nous ne marchions sur les intérêts des victimes, sans non plus qu'ils considèrent cela. Justement, il y a des victimes qui donnent de la voix. Hein. Oui, tout à fait. Mais la justice Mais ont raison, les victimes. Oui, mais ont raison, les victimes qui donnent de la voix. Nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé dans ce pays. Ce qui est important, c'est que la lumière soit faite sur toutes ces questions, que les coupables reconnaissent qu'ils sont coupables, qu'ils présentent des excuses ou demandent pardon. Et c'est tout cela qui va contribuer à la réconciliation. Ici, il ne s'agira pas de se taper la poitrine, il ne s'agira pas d'accuser l'autre. Vous savez que nous avons un phénomène qui a prévalu dans le processus ici, c'est l'auto-victimisation. Beaucoup de gens considèrent qu'ils n'ont rien fait, c'est les autres qui ont tout fait contre eux. Je pense qu'il est bon que chacun de nous essaie d'apprécier sa part de responsabilité, que nous assumons tous ensemble et qu'après nous nous mettons à donc chanter l'hymne de la réconciliation. C'est important pour la Côte d'Ivoire. Alors, toujours dans le sens de la réconciliation, il y a le président du FPI, Pascal Afinguessan, qui a fait une proposition. Il réclame des états généraux pour, dit-il, une vraie réconciliation.
Écoutez, nous avons, dans le cadre du dialogue à l'opposition, expliqué à M. Afinguessan que les grands forats, nous les avons organisés ici et que ça n'a rien donné. Lui-même, lorsqu'il était Premier ministre, il a vu ce qui s'est passé et ça n'a absolument rien donné. Nous pensons que la proximité prévaut. Nous avons une commission qui travaille, chacun a des efforts à faire. Les états généraux ne sont pas pertinents. Toutes les questions qui rentrent dans le cadre du dialogue politique peuvent être discutées dans le cadre du CPD ou tout cadre dans lequel nous retrouverons tous. Ils ont accepté maintenant de se joindre à nous avec les autres partis de l'opposition pour que nous discutions. Je voudrais lui dire merci et demander que nous puissions échanger sur toutes les questions sensibles, surtout tout ce qui va contribuer à préparer sereinement les élections générales de 2015. Alors, il a fait part de ses craintes pour l'organisation des élections en 2015 en raison de la situation sécuritaire qu'il redoute encore sur le territoire national. C'est une crainte, une position que vous partagez? Je comprends, mais je ne crois pas que la situation sécuritaire aujourd'hui soit pire qu'en octobre-novembre 2010. Évidemment, nous pensons qu'il faut continuer à travailler sur la sécurité. Il faut donc que le DDR aille à son terme, il faut que les dozos regagnent leur zone sociologique. Il faut que tous ceux qui n'ont pas droit aux armes n'aient pas les armes. Il faut que les forces régulières aient maintenant les moyens de travailler correctement. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, la Commission nationale le Conseil national de sécurité présidé par le président de la République ont entrepris beaucoup de réformes, mais aussi beaucoup de chantiers qui contribuent à tout cela. Nous avons l'indice de sécurité a évolué positivement. Les partenaires sont en train de venir, des institutions internationales se réinstallent. La situation s'améliore. Elle n'est pas encore tout à fait ce que nous souhaitons. Nous continuons de travailler à cela, mais ça ne devra pas être un handicap pour les élections générales. Comment réagissez-vous après les empêchements de ces meetings dans certaines localités? Le cas d'Oropo à Omé, il n'a pas pu tenir ces meetings. Écoutez, je n'ai pas les détails de ce qui s'est passé à Oropo, je crois aussi à Vavoua. En général, les préfets... À Oumé, les préfets ont donc la responsabilité de veiller à la sécurité des populations et à la sécurité des manifestations. Donc quand un préfet, au vu de l'analyse, fait une proposition, une suggestion au ministre de l'Intérieur ou prend sur lui la décision de demander la suspension ou le report d'une manifestation, il faut qu'on pense, c'est pas toujours... dans l'intérêt d'une partie, c'est dans l'intérêt de tous, y compris ceux qui veulent organiser la manifestation. La chose, c'est de demander donc à ce préfet, au ministère de l'Intérieur, de travailler à améliorer les conditions pour que cette manifestation soit reprogrammée. Moi, je suis pour la liberté donc d'activité au niveau des partis politiques, la liberté d'expression pour la presse, pour les hommes politiques, sans que cela ne déborde, sans qu'on insulte. Et surtout avec des hommes politiques qui moralement s'abstiennent d'insulter ou de mentir grossièrement. Nous avons enregistré des choses terribles ces derniers temps. Tout cela n'est pas bon pour la réconciliation et pour notre démocratie, mais je souhaite que les conditions permettent en tout cas de reprogrammer quand vous dites que vous avez entendu des choses terribles, quand on parle par exemple de l'inéligibilité du président Ouattara, président en fonction, comment... Écoutez, ça encore, c'est un débat politique et juridique. J'ai simplement rigolé. Je voudrais dire que ça, c'est des positions qui varient d'une minute à l'autre selon les intérêts. S'ils ont des preuves juridiques à brandir, ils vont le brandir. Pour moi, le président a été candidat, il est actuellement en fonction, il est candidat à sa propre succession. Nous le soutiendrons et nous ferons en sorte que ce candidat-là soit élu. Alors, on va consacrer quelques minutes à la deuxième partie de cette émission. On parle quand même un peu économie, monsieur le président. Alors, investir 2014 a clos ses portes. Quels sont vos...